Horoscope du jour, mercredi 2 décembre 2020. Bélier, quelques tensions dans votre vie de couple. Pluton pourra rendre votre conjoint nerveux et comme vous ne serez pas d'humeur à vous laisser faire, le ton pourra rapidement monter. Célibataire, l'ambiance astrale vous rendra plus tendre et plus émotive que jamais. Vos finances pourront vous donner des sueurs froides. Désormais, soyez plus prévoyants. Évitez les tranquillisants et optez pour des méthodes naturelles telles que la natation, la méditation, la marche, sans oublier les bains chauds avec les feuilles de laurier le soir. Avec le concours de Mars, certains natifs auront une promotion. Numéro de chance 33. Taureau, votre partenaire se sentira pleinement en sécurité auprès de vous tant vous vous employerez à résoudre vos problèmes matériels du couple. Célibataire, réjouissez-vous, celui ou celle que vous rencontrerez ce jour pourrait très bien vous correspondre. Pas de planète néfaste influençant votre secteur finance. Cependant, deux indices vous mettront en garde contre une augmentation de vos dépenses. Votre morale montera en flèche. Nombreux des natifs seront très mécontents de leur hiérarchie au travail. Numéro de chance 9. Gémeaux. Même pour les personnes les plus absorbées par leur travail, l'amour sera une valeur en hausse. Célibataire, vous n'aurez pas de mal à dénicher l'oiseau rare. Ils tomberont d'eux-mêmes dans vos filets. Voilà le moment idéal pour mettre au point une stratégie financière de premier ordre. Vous serez en bonne forme physique, mais votre besoin d'agir et de vous imposer pourra vous rendre nerveux. Maîtrisez votre impatience. Une petite vérification du travail effectué jusqu'ici sera utile et vous aurez encore le temps de corriger vos erreurs avant qu'elles ne vous causent des préjudices. Numéro de chance 11. Cancer. Conseil du sage Saturne. Rien n'est plus dangereux pour un couple que le silence. Réagissez. Discutez avec votre partenaire. Abordez tous les sujets, même les plus tabous. Célibataire. Côté cœur, situation confuse. Soyez un peu patient. Grâce à Saturne, en aspect favorable, votre équilibre financier sera désormais plus stable. Jupiter amplifiera votre nervosité en provoquant un risque d'insomnie. De brusques changements d'humeur perturberont votre travail. Ne prenez pas d'initiative importante pour le moment. Tenez-vous sagement dans votre travail. Numéro de chance 29. Lion, détendez-vous. Si votre partenaire a pu se montrer un peu maladroit, ne lui tenez pas rigueur. Passez l'éponge tout simplement, sachant qu'il n'y a pas de mortel qui soit sage à toute heure. Célibataire, le climat astral indique clairement que l'amour pourrait bien se trouver au bout d'un voyage. Attendez-vous à recevoir un cadeau du ciel, une somme d'argent provenant soit de l'issue d'un procès, soit d'une assurance, soit d'une indemnité ou encore d'un héritage. Si vous avez la possibilité de faire une petite sieste dans l'après-midi, ne vous en privez surtout pas. Dans le travail, avec Jupiter au beau milieu de vos ciels, vous aurez tout lieu d'espérer vos efforts porteront bientôt leurs fruits. Numéro de chance 43. Vierge. Quelques nuages à l'horizon. Avec Uranus et Jupiter influençant le secteur vie de couple, les choses ne seront pas vraiment faciles. Côté finance, ne voyez pas trop grand si vous souhaitez éviter le stress. Voici le conseil de Vénus en ce moment. Bougez, faites du sport, ce sera indispensable pour éliminer les toxines. Soyez très vigilant dans le travail. Ne vous lancez pas à l'aveuglette dans des entreprises douteuses et préparez longuement un projet avant de le présenter. Risque de conflit avec vos supérieurs au boulot. Numéro de chance 3. Balance. Vos amours conjugales seront toujours protégées. Mars promet à bon nombre d'entre vous une journée harmonieuse. Célibataire, Mercure exercera un impact positif. La frustration de ces derniers temps va rapidement prendre fin. L'ambiance planétaire générale laisse craindre des déceptions en affaires, peut-être un vol ou une perte d'argent, voire une escroquerie. Si vous prêtez de l'argent, ne pensez pas pouvoir le récupérer un jour. Suivez ce conseil de Vénus. Soyez votre sourire, car ce sera l'un de vos plus grands atouts de séduction, tant amoureux que professionnel. Numéro de chance 2. Scorpion. Avec Mercure, vous aurez droit à une certaine animation dans votre vie amoureuse. Les couples en profiteront pour discuter, s'aimer et se disputer aussi. Si vous êtes en solitaire, la journée vous réservera sans doute une bonne surprise.
pour une fois, laissez-vous aller à vos désirs et vivez au jour le jour sans vous demander ce que l'avenir vous réserve. Neptune pourra vous jouer des tours aujourd'hui. Ce ne sera pas le moment de prendre des risques sur le plan financier. Ainsi, vous éviterez des ennuis. Au travail, les problèmes que vous avez rencontrés dernièrement commenceront à trouver des solutions. Numéro de chance 16. Sagittaire. Si vous vivez en couple, l'impact de Vénus sera positif. Car c'est avec votre conjoint que vous découvrirez une intensité amoureuse nouvelle. Célibataire. Si vous êtes un cœur à prendre, vous pourrez bien rencontrer le grand amour au cours d'une réunion ou d'une fête quelconque aujourd'hui. Vous pourrez être amené à revoir vos placements financiers ou à réorganiser votre budget. Ne faites pas preuve de négligence, sinon vous n'échapperez probablement pas à une tempête. Vous aurez un grand besoin de repos aujourd'hui. Le soleil influençant votre signe fera craindre un clash avec un patron ou avec quelqu'un qui prétend avoir sur vous une autorité. Numéro de chance 39. Capricorne. Votre vie conjugale sera menacée par la monotonie et la routine. Célibataire. L'image que vous faites de vous-même ou bien de l'être que vous souhaitez rencontrer n'existe pas. Ce sera une bonne journée pour vos affaires. Vos projets démarreront et un coup de chance plus que probable pourrait même leur donner un élan inespéré. Les astres vous soutiendront dans votre métier. Alors profitez-en pour mettre des bouchées doubles. S'il le faut, menez plusieurs projets de front. Numéro de chance 10. Verseau. Certains célibataires vont commencer à s'enflammer pour une personne qu'ils connaissent à peine. Mais vous pourrez avoir affaire à une personne hésitante ou craintive. Pour les couples déjà formés, harmonie et bien-être seront au rendez-vous. Toutefois, quelques tensions risquent de se produire si vous ne savez résister à la tentation de l'infidélité. Nombreux sont les natifs qui seront aidés par leurs parents et autres personnes plus âgées de leur famille, ce qui leur permettra d'avancer plus rapidement que prévu. Côté santé, rien de bien méchant ne vous menace. Soyez sans crainte, pleine forme garantie. Vous n'aurez pas à vous plaindre. La vie quotidienne dans le cadre de votre activité professionnelle sera agréable. Attention cependant à ne pas vous laisser gagner par des mouvements d'humeur inutiles. Numéro de chance 7. Poisson. Les perturbations astrales actuelles sont très loin d'être encourageantes. Des déboires sentimentaux sont à craindre dans votre couple. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ce vieux proverbe sera même d'actualité pour vous. Ceux d'entre vous qui géreront sagement leur budget n'auront pas de soucis d'argent. Les excès alimentaires ou le manque de sommeil ne sont pas bons pour votre santé. Risque de tension professionnelle. Surtout, gardez votre sang-froid. Numéro de chance 38. Dame Euravital, visionnaire astrologue, vous souhaite une bonne journée et que les bénédictions soient. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!